Salut à tous, c'est Mention Magic Arena FR, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, je sens que j'étais un peu damé le pion, Non, mais du tout, j'en suis ravi. on est prêt, on est là, toujours à l'affût. J'adore damer le pion. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Du standard? Il Qu'est-ce qu'on a en y a des standard? gens qui savent pas ce que ça veut dire damer le pion. Si, quand même. Ah, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent pas ce Ça que ça vient veut de dire. l'espagnol. Ah ouais? Non. Non. Non, mais imagine. Damos la pienas. Je trouve que damer, ça fait un peu espagnol, Ça déjà. fait un peu corse aussi, mais. Ça fait... Ouais, c'est plus le même mot. Oh bah c'est juste un autre. Oui. Oui, c'est un autre On a mot. changé une syllabe, quoi. Vous avez oublié ce passage. Cette vidéo commence très très bien. Célestia Marqueur. Mais en même temps, on joue Célestia. Oui, Ce n'est pas un c'est signe. vrai. En Mais fait, j'ai même pas capté. c'est-à-dire qu'on ne fait même pas exprès de devenir fou pendant Célestia. Ouais, Ça s'imbibe c'est en nous, ça. quoi, automatiquement. S'imbibe. Alors que d'habitude, on Le l'écrit avant les s'imbibe. vidéos. PL, là, c'est Oui. Célestia. Il faut que tu aies l'air zinzin. Voilà, fais des blagues, sois S'il te plaît. drôle, Voilà. rends-moi chèvre, enfin tout ça, le classique, Ouais. quoi. Là, c'est naturel. Ouais, on Je est. reste sur le Saint-Bib, je sais pas, ça me fait rire. Vraiment, il ne s'est rien passé entre la vidéo que vous avez vue peut-être mercredi et celle-ci. On Deux l'a verres de vodka. juste enchaîné Gros, tu parles et il pas se des passe deux verres ça. de vodka entre les deux vidéos? Mais c'était des verres vides. C'était des verres avec écrit vodka dessus, mais vides. Donc ça ne compte pas. Oui. Du coup, Célestin Marqueur en standard, ça vient d'un tournoi d'Internet. Plus d'explications. Après, le pouce bleu en situation de confiance. J'aurais dit un vieux boomer, ça vient d'Internet. Oui, bah oui. Oui, mais parce que je ne sais plus d'où ça Sais plus vient. d'où il vient. Bon, Moi on non est très plus. fond du standard. Ah, hein. Bah, Oh, parfait. ça vient d'un tournoi d'Internet. Merci Du coup. au sponsor Playing by Magic Bazaar. Code Valet PL 2023 sur la boutique, ça donne 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient. Merci à tous. Si vous voyez cette vidéo vendredi ou samedi ou dimanche, venez nous voir. On est toute la journée en live sur Twitch pour commenter directement sur place depuis Barcelone, la MagicCon Barcelone et le Pro Tour du coup associé qui du coup se déroule en draft Lord of the Ring et En en moderne. moderne qui a été pas mal chamboulé par cette extension. Donc ça fait Très, très chamboulé. Très plaisir. étonné, très chamboulé. Très hâte, donc nous on enregistre forcément cette vidéo à l'avance, très hâte de caster ça. C'est aux heures pas américaines, aux heures européennes à peu Ouais, près. ça Du coup, commence ça le matin. commence le matin entre 10h et 11h et ça finit le soir, je crois, entre 20h et 22h. Ah oui, aussi tard. Je crois. Oula. Parce que j'ai dû Je pensais faire la transférer fiesta à parce Barcelone, qu'ils ont moi. annoncé avec les heures américaines et que D'accord. j'ai dû te remettre en heure européenne, donc je me suis peut-être trompé En d'une ou tout deux cas, heures. si vous venez dans la Mais journée, on est voilà. là, quoi. Genre, au pire, vous savez qu'à 11h du matin, c'est bon, c'est Ouais, parti. y a pas de galère. Et après, on enchaîne comme cool chaîne. Du coup, ce Bon, deck-là, ce deck d'internet, qu'est-ce qu'il raconte? facile, facile, facile. On met des marqueurs. Ouais. Pourquoi on met des marqueurs? Parce que lui, il met des marqueurs tout seul. Et on peut retirer des marqueurs pour casser des trucs. Lui, quand on met des marqueurs, il pioche une carte. Ça n'a rien à C'est bien dans voir. les stratégies agressives Ah base si, ça met blanche. des marqueurs, mais quand c'est retourné. Mais sinon, c'est bien, de toute façon. Ça prend des marqueurs tout seul et ça redistribue des marqueurs. Ça double les marqueurs qu'on met et ça met un marqueur aussi pour deux, même si c'est un peu cher, mais c'est pas grave. Bagarreur, ça arrive avec des marqueurs et à chaque fois qu'on met un marqueur sur un autre permanent, si c'est la première fois qu'on le fait, il prend un marqueur aussi, donc il grossit. Simulacre simiesque, ça arrive avec. Enfin, ça met des marqueurs sur lui ou sur une autre bête et ça l'exhume. Elspeth Archange, ça met des marqueurs également et ça fait du board. Guerrier du Domskar, c'est plaisir de voir ça. 4-3 qui met des marqueurs, puisque main forte 1 met un marqueur, plus toutes les lignes de texte. Regardez la fléchette des mains, regardez les cartes, mettez-les dans la main, voilà, vous connaissez. Ça fait de la value entre guillemets. Main Et forte Valkyrie également, Porte-Faveur, qui était une carte qu'on c'est trouvait pareil. assez puissante et qu'on Ouais. n'avait pas pu jouer dans le standard, notamment dans le standard pré-ban. Maintenant qu'on est dans le standard post-ban où les gens testent plus de choses et tout, bah, la mécanique marqueur, entre guillemets, pour être un peu plus sérieux, a ressurgi. Il y a quelques decklists qui traînent, et notamment celle-là. Et c'est vrai que la Valkyrie Porte-Faveur, c'est une carte qui est puissante juste de base, quoi. Ses statistiques par rapport à son coût converti de mana sont assez élevées. Je rigole parce que vraiment je sens que je suis en train de partir en couille. Ah Je lisais mais... le flavor text, j'étais parti très loin. Donc Alors très bonne carte cette qu'il n'y a pas Valkyrie. grand-chose en plus. Il n'y a pas grand-chose, non. Ah ouais, ayant trop peu. Et j'ai oublié Gabriel Perpétuel pour un mana 0-1 main forte 1. Quand elle meurt, on met ses marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez. Eh ben écoute, c'est parti. D'ailleurs, je crois que la formulation mettez ses marqueurs, Ouais. c'est la première fois qu'on le voit. Avant, c'est genre, mettez autant de marqueurs plus 1 qu'il y avait sur cette créature, sur une autre créature, machin. Et là, ils ont simplifié, il me semble. Hein. Ah, je ne sais pas. On s'en fout. Mais non, peut-être. Peut-être, peut-être. Je lisais le flavor text et c'est Ah, l'écureuil. salut. Si, je pense que c'est l'écureuil qui parle à la jeune fille. Ouais. Je serai à tes côtés. Pour D'ailleurs, toujours. Et la jeune fille, elle est là en mode, bah non, je veux pas, moi. non, barre-toi. Point commun de cet écureuil et de pas mal d'illustrations,
Est-ce que tu sais ce que je veux dire? Non, il a l'air con. C'est illustration magique, ça. Non, mais genre, certaines créatures, tu vois. C'est vrai que Je te le dis. lui, il a l'air très con, lui. Mais c'est les dents. Ouais, je pense. C'est les dents, c'est les dents. Mais ouais. Fuite de Laurent. J'ai vraiment envie de rire sur toutes les cartes. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, il ne s'est rien Alors passé. que peut-être que le... Mais ris maintenant, parce que le gameplay sera peut-être pas drôle. Ah bon, on va arrêter de rire. Certainement. Fuite de Laurent, ça protège créature artefact. Bon, du coup, plutôt créature dans ce deck, évidemment. Chancrefleur, ça casse artefact enchantement ou ça prolifère. Ça Et prolifère bien prolifère, comme tu joues plein de c'est marqueurs. très très bien. En fait, j'adore ces cartes, que tu les rentres en side contre artefact ou Mais elles enchantement. viennent agrémenter Et en ton même plan de jeu, temps, ouais, bien c'est pas sûr. mort parce que ça garde ton jeu. Et c'est une 3-2 pour 2, donc de toute façon, ça cogne. Donc ça, c'est bien. Disparition de l'histoire contre Célestin Enchantement, parce que je pense qu'on ne peut pas gagner contre Célestin Enchantement si on n'a pas disparition de l'histoire. C'est probable. En tout cas, c'est dur. Déferlement du salut, ça marche encore contre les decks noirs interactifs. C'est bien, hein, mono noir, Donc. c'est un deck qui est assez populaire pour le coup. Absence fatidique, anti-bête. Séraphin d'acier, x4. Ça ne prend pas de marqueur, mais c'est fort et ça permet de passer au-dessus des boards. Go. On est parti du coup pour une petite game. Qu'est-ce qu'on voudrait taguer avec ça? Rien. Et Le plus gentil des adversaires. Celestia, standard, Celestina classement. Marker, je pense que Monored aggro c'est cool. Parce que du coup tu fais un board assez épais pour Mmh. empêcher du coup Monored de passer. Les autres stratégies agressives en fait. Les autres je vous parlais. Stratégie créature, mono blanc aggro. Soldat, ça doit être fine aussi. Ah, Ce soldat, bien, ouais. genre de deck là. On fait un board stall, et après il vole. Non mais on le tue avant Oula! qu'il ait le temps de. Zyklon Bastille. Pas ouf, ça, comme pseudo. Je sais pas ce que ça veut dire. Zyklon B, je crois que c'est Ah ok, du gaz gaz mouka, enfin, qui tue, toxique quoi. quoi. Ah bah écoute, super. Bah du coup on va le battre, parce que le mec est méchant. Si je dis pas de conneries. C'est bien, ça. J'ai la corde. C'est bien, mais tu fous rien pendant 3 tours, quoi. On commence à tour 2, tour 3. Ah, oh, c'est insane, je la garde. Je crée du contenu, là. Oui, voilà. Tu crées du contenu. Non, mais en fait, j'ai la détermination de battre Zyklon Bastille. Ah bah du coup j'aurais Ouh! mulligan s'il fallait vraiment le battre. Il faut que ce soit de l'autre carte, là. C'est du gaz cyclone à droite à gauche là? Bah, peut-être, hein. Ouais. Du Il est coup. flavor. Et ouais, là c'est trop flavor, là. Attention. Même, il y a Teferi qui nous regarde méchamment. Oui, c'est vrai. Oh il a Ah, tant mulligan mieux, il est lui il là. veut te battre aussi. Hein. Non, il a un deck caduque. Eh oui, tu vois, il a mis du temps à mulligan, ça veut dire qu'il hésitait. Et il a réalisé qu'il pouvait faire mieux. Alors qu'en fait, non. Je pense Il fait n'importe quoi. qu'à mon avis, il va faire mieux. Oh! Le petit tour. Vas-y, Moi, je la mets emballé. sur le côté, là. Bon, on va voir ce qu'il fait du coup. Ah, je sais Ah, ce qu'il je fait. connais ça. Je crois que ça m'emmerde fort. Ouais. Allez, ça coûte 5. Ça m'emmerde aussi, mais moins. Bah, tout t'emmerde, hein. De toute façon, son deck t'emmerde, donc. Ouais. Puis il te le dit, quoi. Oh yes. Pas exterminé du coup. Quel plaisir. Ah, il fallait piocher une source de blanc. J'ai même pas Celui-là, capté. ouais, t'as été bien, t'as été bien là. Hop. Non. C'est non! Et l'autre anti-bête là, pour deux? Non. C'est un grand singe. Ah, c'est vrai! Ah, c'est parce que c'est un grand singe que vos Oui. forces de 30 ne marchent pas. Ouais. Ah, d'accord. Ah non, mais tu sais pourquoi? Regarde l'illustration. Il n'y a pas de Il n'a gorge. pas de gorge. Tout simplement. Fallait y penser. Hein. Ben oui, tout simplement. Non, parce que là, on rigole. Mais là, je vais faire ça. Elspeth, je vole, je tape ça. J'ai une PV, je retourne. Mec, il est déjà rince, quoi. Ah, mais il est rince et rince, là. Je le fais voler ou pas? Toujours. Faut que t'en aies une deuxième, bien sûr. Ouais. Bien Non, sûr. je vérifiais que ça faisait voler. Oh, bien sûr. Là-dessus. Bam! Bim, bam, boum. On retourne. Et là, tu vois, c'est vrai que s'il avait une Lyanna, Oh, sacrifie. t'aurais pu être un peu déçu. Alors que là. Oh là, mais je vais le terrasser, Ah, là, là. c'est le terrassement. Le grand. Ah ouais, le belle taille, hein, le terrassement. T'es mal à la taille de la terrasse. Belle terrasse, là. On a Rien. des interactions dans le deck ou pas? Appelle-moi. Ah oui, Aucune. non. Okay. Ah Et oui, on a donc une board, quoi. On a de quoi faire un il faut board. taper vite et fort quand même alors du coup. Oui. D'accord. Je voulais être sûr. Oui, mais je le tue en 3 tours. Eh non, pas avec Sheldred. Presque. Mais pas loin. Ça. On all-in, tu mets. Ah non, parce qu'après il va te faire. Ah oui, non, ça c'est parfait pour contrer Lilianna. Donc garde perpétuelle. Et tu mets forte sur Simulacre, on met tout. Mais je me demande si je fais pas ça et un token. Hein. Peux faire Il un peut pas aller token? la chercher facilement, hein, je crois. Ok. Mais t'as pas de lifelink, quoi.
Ah, mais ça donne pas Mais lifelink de toute façon. non, c'est les tokens qui sont lifelink. Ah, ouais. Bon, bah, vas-y alors. Oh. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et pan! En vrai, je mets 8, puis 9. Lui, Si, je le Arcane tue en 2. 3 tours. Hein. Avec Sholdred? 14, Ah, ouais, c'est bon. Grâce je à mets 9. ton. À Gobakan, c'est bon. Parce que Même. sinon, il est passé à 16 et 18 après. Ouais, je le cogne, hein, quand même. Oui. C'est vrai, Avec le petit marqueur, je le cogne. c'est vrai que cela dit, tu le cognes. Et c'est vrai que là, tu le bats pas vraiment, tu le cognes. Ah oui. Il y a En la fait, volonté de cogner, quoi. je le bats pas par KO. Juste, je le bats au point. Littéralement. Tu cognes jusqu'à ce que l'arbitre mette fin. Du coup, c'est un chaos. C'est juste qu'il tombe pas dans les pommes. Ben non. Comment ça, ben non? Mais KO, c'est quand il tombe dans les pommes. Non, le chaos, ça peut être l'arbitre qui met fin au match. Juste parce qu'il voit que tu es en mode hammer sur la tête. Ben non, c'est pas KO, ça. C'était chaos. C'était KO, ça, Oh ouais, avant? c'est chaos. Ouais. Au point, c'est il n'y en a aucun des deux qui est tombé, quoi. L'arbitre n'a pas mis fin à la partie a Oui, été c'est jusqu'au genre, bout. il y a un certain nombre de manches. Exactement, c'est ça. Mais sinon, t'as KO, je tombe dans les pommes, et KO, l'arbitre, il dit, bah en fait, si je n'arrête pas le match, le mec va mourir. Donc, Est-ce que je dois faire ça, là? pardon, j'ai craché dessus. J'adore le Il cracher. a. Pour faire quoi? Pardon. Défoncer Smenic indestructible. Sur tout le monde? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. J'ai peur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ah ouais. 13. Eh ouais. Peut-être bien. Crois que mon petit PF de Lifelink, il est bien. Oui. Il va bien bloquer surtout. Mais ça te permet de te prémunir d'une Liliana plus tard. Oui. Du coup, non, si tu sais, t'as Starbit, tu vois pas dans le MMA, généralement, il se jette à la place du mec Ouais. qui est en train de cogner le gars. En mode ah, stop, 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 c'est En bon. train de se faire En égratigner. fait, il ne peut même pas arrêter la partie, le gars. Il se fait trop égratigner, quoi. Bah, ça, c'est quand même KO. Ok. Et la main dans son souvenir. Bah écoute, tu vas faire dueliste, tu pioches. Enfin, tu fais meneuse, dueliste, jeu de rôle et juste tu le tues en 2 tours, quoi. J'ai le droit en mettant les marqueurs dessus. Ouais. Puisque de toute façon, 9, ça suffit à tuer la 10, 9-8. 11, 12. Merde, j'ai peur. Je voulais mettre 12, mais ça marche pas. Parce que les marqueurs sur la lifelink, c'est pas mal aussi. Hein. Non, mais tu veux pas piocher? Enfin, dans tous les cas, tu développes ton board et t'attaques, là. Il y a Bon, même. ça, c'est sûr. En vrai, on n'a même pas trop à En réfléchir. fait, je Hein. réfléchis sur quoi je mets les marqueurs pour gagner plus de PEV. C'est plus intéressant. Mais tu t'en fous, tu tues en 2 tours et t'as à 1000 bloqueurs. Tu t'en fiches de Mais gagner non, des parce que PEV, non? piocher, je passe à 5. Lui, il a 4 attaquants. Ah oui, Il parce qu'il y a. m'enlève un Ah oui, non, mais c'est potentiellement. chiant à cause de Sholred de piocher, effectivement. Non, bah oui, Donc, bah buff la lifeling alors. je vais mettre tout mon board. Je fais ça, attaquer. Là-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et là, sur le comeback, tu meurs jamais parce que t'as trois bloquants. Enfant. Je suis à 10. Donc, je serai à 8. Yes. GG. C'est bon. Et contre lui, on connaît la faille. Des créatures artefacts qui n'ont pas de gorge. Hop. Voilà. Elle est où la gorge là? Pas Et un. puis déferlement de statue. Et encore que je sais pas si on veut déferlement de statue puisque ces anti-bêtes n'ont pas de cible. Ça sert à rien, il n'y a plus une vogue d'espère. Bah, il a quand même exterminé Bah ouais, l'autre, mais hein. tes menaces ne. En Bah, j'en ai fait. que deux, hein, Arthos. Il reste à prendre la gorge. Ouais, mais t'en as 8 et tu veux pas faire du 1 pour 1, sauver une petite bête à un mana contre un exterminé, je pense qu'on s'en fout. Ah ouais, ça je peux l'enlever déjà. Ouais, ça tu l'enlèves. Et voilà, let's go, je pense qu'on y va comme ça. Ok. On est bien là, en vrai. Non? Ouais, je sais pas, je me dis deux. En fait, tu rentres 2 cartes pour battre seulement les 4 cutdowns seulement sur tes tours 2. C'est excessivement corner, non? Non, les cutdowns et les droits à gorge. Ouais, mais sur tes drops 2 au moins. Ouais. Mais drop 2 au moins, là on n'en a pas eu, mais c'est quand même. Ils sont assez importants dans le deck. Ouais, mais de là à vouloir Et les ça dépend pro. lesquels. De là, en fait, ils sont tous remplaçables. T'as pas une stratégie où t'as envie d'en protéger un spécifiquement, tu vois. Ouais. Bah, peut-être je me trompe, mais je suis pas. Moi, je les rentrerai pas en tout cas. Si tu fais pas plus que juste. Un mana protection, ça vaut pas trop le coup, je pense. Peut-être que c'est pas les tourins qu'il faut enlever. En mirror d'aggro, c'est bien. Dans les tourins? Ouais, toujours. Tu Ah, vas mais être le lui, il plus big possible. se. En fait, son marqueur, il le remet ailleurs.
Le drop 1? Ouais. Oui, mais dans tous les cas, ça reste les moins bonnes cartes de top deck. Peut-être c'est les autres, les 1-2 qui se buffent toutes seules là, qui vont enlever. Ça. Ah, peut-être, ouais. Ça, dans ce cas-là, oui. Peut-être ça c'était Bah, mieux. là, t'es une super main. Là c'est super. Ah oh, c'est super. Je pense qu'en fait, mon noir, c'est un bon match-up en vrai. On va voir. Mec, c'est sûr. Oh le cut Vise. down. Maintenant. Voilà. Vise donc. Oh je vise. Entre les deux yeux. Je fais quoi en premier, ça ou bagarreur? Bagarreur, ça double les futurs marqueurs? Non, ça. Quand tu mets un marqueur quelque part, il en prend un aussi. Je mettrais d'abord bagarreur dans ce cas-là, mais. Là, je vais curver ça. Et après, tu vas curver guerrier ou Du elspeth, coup. donc. Comme tu veux. En fait, ou tu fais des créatures puissantes, ou tu pioches des cartes avec ta 2-2. Les deux options sont sympas, ça dépend Je ce que tu crois que valorises. je vais essayer de piocher avant qu'il y ait Shulred. D'accord. Potentiellement. Ah ben non, parce Et qu'il va tu faire piocheras Shulred le tour de avant. Shulred. Ouais. Si tu pioches, c'est le tour de Shulred. Ouais. Sauf si tu pioches un grand singe. Tu peux piocher un grand singe maintenant. Oh! Eh Ouais. ben, ça sera avant Shulred, cette histoire, alors. Il a pas landé. Ah oui, bien vu. J'allais dire, bah non, ça changeait, on l'avait déjà, mais non. Non, il a pas landé. Donc au final, t'es Hop. bon. Je vais donner Enfin, le ça se goupille Rice bien pour nous, du coup. King. Il va le tuer en réponse. N'y a pas de galère. Et Séraphin, là, pareil, il le tue plus. Séraphin. Si, il a le truc qu'il dit Children là, qu'il faut sacrifier, je pense. Oui, ou il y en a maintenant, par exemple. Oui, il y en a. Voilà, 3 points. Aucune galère. Oh. Oula, ou comme c'est nul contre nous, ça. C'est lent ça. On punit. Ouais, ça c'est bien ça. Je pense que tu curves easy. Allez. Nori. Là-dessus. Quel méchant bonhomme. Pourquoi il a On va rentré Arène Phyrexiane avoir alors le que tu Life joues un King. deck excessivement aggro, Ziklon? Je ne sais pas. Alors faites pas ça En chez vrai, vous, c'est pas bien. j'en veux un. Hein. Oui, tu prends tout. De tous les séraphes que je peux. Bon. C'est pas bien Arène Phyrexiane, c'est bien contre les decks très contrôle pour pouvoir le grinder, mais c'est excessivement mauvais contre les decks agressifs. Bon, je comprends, j'hallucine qu'il est rentré à Retirisan contre nous, je comprends pas le processus. Ou alors il les a main deck et donc du coup il les a pas sortis, c'est une possibilité Main par contre. deck. Ah, peut-être. Ça me paraît plus probable en tout cas. Là tu fais Elspeth, là je pense que tu curves tout. Hein. Elle se fait du donne. Alors que je peux faire adepte Séraphin encore. Ouais. Enfin, tu peux pousser les cartes dans n'importe quel ordre, tu vas gagner cette game. Il n'y a pas de. Sur Ça, tu donnes Life elle-même. Link et lui, tu donnes le vol. Yep. Oh, t'as vu? J'ai cliqué d'abord sur lui et c'est lui qui va résoudre en premier. Donc là, c'est le vol. Là, c'est Et Life là, Link. Life Link. Ouais. Je le cabosse. C'est. Ah, ben vraiment, tu le cabosses là. Et il n'y a pas d'arbitre pour stopper la partie. Non, Vraiment, tu le cabosses jusqu'à plus soif. non. C'est quand toi, tu décides. Ah, bien joué. Cabossé. Voilà. On avait dit qu'on voulait pan sur Ziklon. Mais du coup, Hein. comme on a battu On Zyklon. peut remettre une petite. Voilà. On peut remettre une petite celle-là, là. Voilà. J'avoue qu'on peut remettre Ah, une parce qu'une petite. Célestinia qui se passe trop bien, c'est pas une Célestinia. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Parce que là, ça s'est excessivement bien passé et contre un des meilleurs decks du format. Donc, il faut le noter quand même. Ouais, en plus. Moi, ce que je vais Donc là, on va prendre le tabasser, pire deck c'était du Esper format. Contrôle, il y en a trop. Je vais te défoncer à chaque fois contre ça. Enfin, moi, en tout cas, en Ah, live. c'est vrai, c'est insupportable. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et je suis pas sûr qu'on a un bon match-up. Donc voilà, si vous voulez la game de trop, allez maintenant. Là, c'est Esper Control, c'est signé. Oh bah je pense qu'il y en a un sur deux sur le ladder. Donc. J'ai une stat. Ouais. Un match sur deux, c'est Esper Control. Un match sur quatre, c'est Mono Red. Et un match sur quatre, c'est le reste. Donc ça fait Il manque 50%. un 4 là. Non. 50% Esper Control, un quart Mono Red et un Ah, quart les ok. gens Un ils font match ce sur qu'ils 2, un veulent. match sur 4. Ok. J'avais loupé. Bon, je garde. Ouais, tu kiffes. C'est une stat sortie de mon cuc. Ah oui, mais on sait d'où elle vient. Je suis obligé de demander ça par contre. Ozolite. Mais à mon avis, on n'est pas loin de la vérité. Je commence par l'Ozolite, non? Plutôt le dualiste, puisque l'ozolith met des marqueurs. Non. Enfin, pour le poser puis payer, Ah, c'est d'accord, 4. ok. Bah, je Après, préfère peut-être j'ai ça, dualiste donc simulacre, ça me paraît mieux quand même. si je pioche un land.
Là, on veut curver. On espère. Non! Joli choix de Marie. Ah, il peut peut-être juste développer son board en vrai. Hein. Ça peut bien se passer. Hein. Non! Oui! 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 Si! Attends, si le tueur répond, c'est chiant. Tu veux faire Ozolith garde-bride ou simulacre maintenant? Je crois que si jamais le tue en réponse, tu préfères perdre moins de marqueurs et faire Ozolith garde-bride dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Allons-y. Oh, je aussi. T'es moins perdant dans l'équation cut-down. Non, on s'en fout. Ouais, c'est pas grave ça. Ouais. Ah bah. Pas grave du tout. C'est étonnant sans cag. Oh, le T-Land. Oh, c'est excellent. 3 points. Bon Dieu que c'est excellent ça. Alors lui par contre, je sais ce qu'il veut affronter. Esper contrôle. Ouais, il est là pour ça. Ouais. Et il droite ma gorge. Mais du coup, il sera peut-être pas excessivement bien adapté face à nous. Il a l'air quand même pas trop mal, mais. Non, je veux 4 mana là, je crois. Pour. Je veux faire. Et non, tu veux Valkyrie le tour d'après, non? Ah oui, putain, ça sert à je crois que tu veux Valkyrie le tour d'après. Ouais, on va faire ça. Et on dispatch, hein. Comme ça, tu bloqueras avec ton 2-1. Pour bloquer son outsider. 17. Nickel. Ok, on savait. Elle avait beaucoup de marqueurs en plus. Ah ouais, tout ce que t'as vu, c'est devenu une grosse 2-1. Excellent! Ah, il me donne une bête. Tiens, ça, je te mange. Vas-y. Et s'il a anti-bête là-dessus, bah, tant pis. Il aura fait sa meilleure sortie. Hein. Mmh. Bête-bête, anti-bête, anti-bête. GG. Hop les Valkyrie, je vais bien tout le tour là. Franchement, c'est à des stats, c'est débile Valkyrie. Grosse bête là. Vol initiative lifelink pour 5. Ouais. Et 5-5. Et 5-5. Ah, pour l'instant ça va. Ah ouais, ça se passe très bien cette histoire. Pour l'instant c'est bon. J'ai fait une game rondement menée. Pour l'instant ça roule. Oh le. Bah, t'es bien là maintenant. Donc je pose ça. Je crois que tu mets tout sur Valkyrie, tu tapes. Ah ouais. Ah moi je. Comme je un sourd. Pas là pour gueulerie, ouais. Allez. Et juste tu fais un petit simulacre là sur ta Valkyrie aussi quoi. Ah c'est tout dessus. Ok. Genre si l'anti-bête t'as perdu, tu vois ou pas? Tu vois ce plan? Ah je vois. Comme ça tu l'étales en deux tours. Enfin tu essayes d'avoir ce l'étale en deux tours. Sinon on perd la partie. Bon, déjà on s'est offert un pool de PV confortable. On peut voir venir. Il a passé combien d'anti-bêtes? 2 cutdown et. Un cutdown et un droit là. Il a perdu le poulet là. Ah non! Il va piocher une carte. Ah le malinx! Oh, malin comme malinx. Bah du coup, on veut qu'il en pioche qu'une. Hein. Franchement, tu donnes tout, je pense. Oh, je donne tout. Si tu trouves n'importe quel truc qui m'a un marqueur, t'as gagné. T'as gagné. J'ai gagné. Yes! Ah non, il en repioche une, putain. Il a pas utilisé ça. Oh, le sale type. Oh, ça fonctionne un peu, ça. Non. Ça en met pas plus. Ah non, ça en met sur lui. Bah, c'est pas grave, hein. Tu en mets ton coup et puis... Oui, oui. Il va pas survivre des tours comme ça. Hein. Et quand même, on va pas être... Bah, en fait, dès qu'il tue ça, on a perdu, quoi. Ouais. Mais... Il pioche beaucoup de cartes, le type. Après, nous, ça nous est arrivé dans des vidéos de jamais trouver l'antibat. Ah oui, oui. Nous, il y a un mec qui nous a eu chaud de raid dans la vidéo. Ouais. Pioché 10, mort. Perdu. Derrière. On va bloquer Geeks, du coup. Bah, Geeks, hein, on va le tuer. Voilà. Il pioche 2 cartes, plus 1, plus 3. Donc là, il tape à... Putain, il repasse à 10 quand même. Hein. On a toujours pas l'étal, nous. Hein. Là, il y a l'étal. Ah, si, si. Ah, il perd les peuples. Il perd les peuples. Ouais. Donc ça va. Donc s'il a pas anti-bête, c'est toujours bon pour nous. Sur les 1004, il pioche. Ah, un bloqueur. Un deuxième. Il peut même me laisser passer. Oh, tu sais ce que j'ai envie de faire là-bas, là. Oh, la plaine de merde. Non, mais la plaine de merde, là. Bah, passe. Enfin, là, t'as perdu, là. Tu peux t'en aller, quoi. Ah ouais? Je pense que tu...
Il te rend j'ai des plus, PV, hein. il te rend pas plus de dégâts. Enfin, regarde sa main. Essaye, hein, mais je crois que. Écoute, sinon c'est la game de trop. Je crois que tu vas pas au bout, quoi, de celle-là. Je suis à 26, hein. Ouais, mais. Tant qu'il tue pas mon 9-9, j'ai espoir. Dès qu'à l'instant où il le tue, je pars. Ah, il te fait du sale, père. Oh, pas fait, hein. T'en prie. Non, mais c'est bien que tu gardes espoir. Moi, je ne l'ai plus, là. Il gagne qu'un PV par carte. Ouais. C'est vrai. Et il pioche cette carte pour trouver une réponse. Eh, mais ça fait un moment qu'il en pioche, hein. Oh, il a même fait un 1-1, l'autre cuidant. Ah, voilà. Ok. Allez, on peut y aller. Let's go. Mais quand même, la moitié du deck, hein, pour en trouver une. Ouais. Bonne sortie. Pareil, hein, Séraphin. Tu connais. Séraphin, il gère pas. Ouais, c'est tout. Il t'enlève les tourins et t'as raison, vaut bien enlever les adeptes largement. Ouais. C'est fine, hein. On lui fait la même qu'à. On lui fait la même qu'à l'autre. Hein. Il a quand même eu spell pierce, hein, sur l'ozolite. Ouais, mais ça nous aurait pas aidé. Ah, quand même. Non, j'aurais été énorme. On l'aurait tué. Est-ce qu'il aurait l'étal? Oh, ouais. Ah oui, parce que l'ange, on a mis genre 5 ou 6 fois des marqueurs dessus, donc il aurait eu 5 ou 6 marqueurs de plus. Ah, peut-être. Quand même, hein. Après, c'est legit d'avoir spell pierce dans ce format. Hein. Esper Control étant tellement présent. Oui. C'est assez. Je veux dire, c'est pas une excentricité de la part de Yukichi, c'est jouer dans les decks d'Ymir. Juste qu'on se l'est pris, quoi. Oui, bah, il faut bien le prendre quelque part, de toute façon. Non. Ah, si. Bah non, parce que quand il joue sa Shieldred, notre adversaire l'autre fois, oui. Il doit se dire, bon, je vais prendre mon anti-bête. Bah, jamais. Eh oui, mais après, il l'a pas pris. C'est pas parce que c'est pas arrivé dans une vidéo que ça n'arrive pas. Ça arrive tout le temps, tu vois. L'algorithme, hein. Parce que le pire, c'est que dans sa main, il n'avait pas le spell pierce. Et quand on joue le spell, oh, d'un coup, algorithme la carte se transforme. Algorithme. Ah oui, la carte, c'est, il y a une espèce de voile, ah oui, et d'un coup, elle se mais transforme, oui, en spell pierce. Sûr. Non, t'es bon, toi, à la draw, hein. Non, dueliste. Ça. Ah ouais. Gros, c'est trop, là, sur le play, en plus. Je sais pas, j'ai peur, maintenant. Ça, Gaio. Parce que ces deux spell pierce, là, ils se transforment en Tibet. Mec, regarde. Regarde donc ce que tu lui fais, là. Super. C'est excellent. Super. Ah, je peux pas jouer ça. Super. C'est pas grave. Super. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Let's go. Voilà, et derrière, tu lui fais guerrier du Dawnscar. Oh, je fais le G. Le G du D. Il a une grosse massue, lui. Lui, il tape aussi. Hein. Ah ouais, c'est toute une massue, là. Ah ouais. C'est bon. Bah, alors, quand je suis bon, c'est bien. Guerrier du Dawnscar. Tu fais un énorme machin. Ça. Et plus le double bloqué, cela dit. Est-ce que c'est bien? Un double bloc. Ah, mais tu draws. Mais tu draws, en fait. Qui mange, draws. Ouais, attaque avec fou. Ouais, tu t'en fous. C'est vrai. Ouais, J'allais demander, est-ce que t'en as quelque chose à foutre? Je crois pas. Je m'en fous juste, regarde. Ah ouais, moi aussi. Je tue les deux. Prends ces 3 points. Trigger. Eh oui, t'as piétinement. Oh. Mamma mia, comme c'est bien ce jeu. Quand ça fait ça. Mais pourquoi ça m'en a montré qu'une? T'as mis qu'un dégât piétinement. Nickel. Nickel. Top des cuisses. Ah putain. Bon, du coup, mets une Valkyrie. Je vais sur le simulacre. Comme ça, il le clean pas. Non, sur ça. Ah oui, non, parce que le simulacre, il prend que dedans. C'est vrai. Hop. Pan. 5. Oui, facile ce jeu. Ça encore, hein. C'est trop fort, ça. C'est pas parce que le mec, il a loupé de land drop. Hein. Je veux pas entendre ça dans les commentaires. Non. Rien à voir. Ça, vous mettez pas. Hein. Non, mais quand tu joues tout seul, que ton adversaire n'interagit pas avec toi, le deck est insane. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi qui me moque. Mais non, mais il y a des decks comme ça où quand tu les laisses faire, c'est juste que un bâton dans les roues, c'est vite arrivé à Magic. Mais si tu les laisses faire, il y a des decks plus impressionnants que les autres. Et un bâton dans les trous. Ça marche de la même manière qu'un bâton dans les roues. Faites ce que vous voulez. Putain, tu pousses là. Ah là, j'ai bien poussé, t'as vu. Il y avait des séquences et tout, j'ai bien poussé les cartes là. Qu'est-ce qui va voler ça, hein. Eh ouais. Ah ouais, mais ça suffira pas. Il l'avait pas dans la main. Ça suffira pas, cette histoire, je te le dis. Il avait pas dans la main. Bizarre, hein. Allez, Yukichi, merci. Non, il n'avait pas la concède avant. Merci, et là, bien, il a concédé. Rien dire. Go. Vas-y, bien sûr.
Mec, c'est d'une. Mais si on rentre pas Mais les je te spells dis, à un blanc contre mono noir, si on tu les joues rentre contre un contre pré-construit, c'est mon deck préféré du standard que tu fais là. Tu préfères ça à mono rouge qu'on a joué qui est insane? Ouais. Que toi-même t'as avoué qui était insane. Ouais, deck était vraiment insane. Ouais. On va Mais refaire une vidéo dessus là. en dépit de ce deck de merde, je préfère celui-là. Chaque sortie extension, on rejoue le deck mono rouge Planeswalker, voir si il marche encore. S'il est toujours meilleur. Même dans une extension, il n'y a pas de Planeswalker. Ah oui, mais on fait Ah, c'est aucune juste. modif. On prend la decklist, on rejoue. On fait une game, on met 2-0 à un type, on fait. C'est bon sur le meilleur deck. Moi, on m'a On proposé en part. live Monorad Atraxa pour revenir aux sources. Ah, c'est propre ça, j'aime bien. Si ça vous Ah bah parle, bientôt. n'hésitez Oui. pas Ah mais si à ça dire vous parle pas, on va le faire quand même, en donc dire en j'espère que ça vous commentaire. parle. Alors, je garantis pas que ça soit très puissant. Voire même, je garantis rien en fait. Je la mets pas, Non, hein. je crois que tu la mets pas. Ouais. J'allais dire, La mets, je la mets ça sert pas. à quoi du coup Et de la non. mettre? À rien. Hein. La mettez pas non plus. Par contre, un petit Ça? dueliste quoi. Petit dueliste, non? Bah du lit, je mets comment un marqueur dessus avec ça? Avec ça. Et du coup, si j'ai que deux Attends, mana. mais même deux là. Eh ouais, mais je pioche qu'une fois. Non, j'avoue, peut-être qu'il faut bagarreur si tu veux faire la plus grosse ou meneuse, ouais. Meneuse ou bagarreur. Oui, tour d'après, comme ça, tu fais Meneuse, bagarreur, c'est. garde-bride. J'ai essayé Meneuse. T'as plein de séquences qui sont intéressantes Garde-bride. et certaines sont meilleures contre tel ou tel deck, quoi. Ouh, il n'y a pas anti-bête. Voilà, tu sais ce qu'il a dans sa Putain, mais main. t'as toujours trouvé le troisième land on the draw, quoi. C'est Ah, incroyable. Tu vois, alors ça. ah, je paye. Vas-y, paye, paye. Ah, je paye. C'est que mon aura d'Atraxa, c'est deux manas de plus que Teferi. Hein. Ça va être dur. Hein. Ah si. T'inquiète, j'ai des glisses en En tête là, fait, elle est carrée. je pense que le mec, il va mourir avant que t'étais 7, tu vois. Après ça veut dire que le deck est Non, on va insane. jouer des big scores. On va jouer des big scores. Ça veut juste dire que le deck est insane. On Hein. va jouer des vives lances du monastère avec des big scores et des Atraxa, Je le c'est mets le là problème. ou pas? Ah oui, je vais le donner à un Conniv. Mets-le sur. Non, Bagger, sur il va toi, si prendre un on. marqueur si je le mets ailleurs. Ah, il faut que tu le mettes ailleurs? Ouais. Ah, d'accord. Bah, dans ce cas-là, ouais, dilue, Ah bah non, dispatch. je mets là. Ça, quand ça sera 3-5, il bloquera quand même pas. Ok. Pourquoi ça va marcher? Au pied vu. Faut que ce soit la première fois. Eh ouais, Sur non, ça a déjà super marqué. manant? Ah putain. C'est quoi ce texte de con? J'ai pas compris. Fallait faire où? Fallait le Je faire dois sur mettre lui? lui. Parce que lui, il avait déjà eu dans le tour des marqueurs alors que lui n'était pas encore en jeu. Très bien. Bah là, Vraiment c'est bien joué. dueliste et garde-bride. Oui. Me semble. Essayer de le pousser à bloquer avec sa shieldred sur ton bagarreur. Faut que tu buffes le bagarreur là. Ça marche pas. Bah, faut que je mette là-dessus pour que le bagarreur soit buffé. Il attaque fort lui avec sa shieldred là. Ouais, j'attaque pas mal aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Et il va te bloquer là du coup. C'est pas grave, je mets 7 marqueurs Ouais, tu ailleurs. mets cette main. Les 5 là. 5. Sur quoi? Sur ça? Quand ça Ouais, meurt, je les mets ailleurs. ouais, ouais. Oh! On va répartir encore. On n'a Ouais, pas mais mis non, marqueur. tu veux outrepasser des shifters, non? Oh, Ouais. vas-y, mets tout sur un. Il est trop bien ce Ah deck. mais non, mais il fallait que je mette sur les 3. Ah Pourquoi? non, sur les 2, parce que lui il aurait pris 2. Ah ouais! J'en aurais dû en mettre un là. Ah ouais. Ah oui, mais du coup je passais pas des shifters. Eh non. Ah ben, Eh oui. mais. J'ai vraiment l'impression de servir à rien. Ah oui, eh non, non, Moi je dis oui. des trucs qui. Ah ouais, Non, super, super. Ouais, mais super, patron, faites-le. Montre-le un petit peu. Mais gros, je gagne. je découvre le deck. C'est pour ça. Je suis Kronk. Tous les morceaux se recollent. Je rigole à des rêves que j'ai pas. C'est exceptionnel. Ah mais le Life Link, il n'est pas là. Mince. Ah non, il est pas là, non. Il est pas. On va perdre la partie. Là. Ah non, non, tu vas le bourrer quand même là. Tu vas taper plus vite qu'il ne te tape quand Et même. on se prend le spell pierce, ça c'est sûr. Spell pierce. Ah ben je m'en fous, hein. Je le dis. Hein. La Body botte? Non mais ça d'ennemis. me gêne moins. Bo 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 bo. Voilà. Mec, tu lui as montré un milliard de drops 4 et 5 qui l'ont déchiré, c'est legit. Je stack avec tout. Mais non, parce que s'il fait anti-bête, t'es mort. Surtout pas. Je sais pas avec tout. Ah oui. En vrai, je le cogne cru. Je donne cru. Voilà. Mais bon, si on pouvait vivre. Ah bah dis donc. Eh bah dis donc. 13 cartes de Shieldred. On voit bien, l'algorithme n'est pas du tout une Parigad. menace. Allez. Tords-moi ce 3-3 là. Non, tu veux pas trade? Ah ouais, non, Bah, je vais essayer de le tu veux tuer. faire un Alpha Strike. Ah ouais. Bah, mine Eh de rien, ben mine on de est mort. crayon, je peux le tuer. T'es mort, tu tues rien du tout là. On a deux. On est à deux.
Je sais Ah putain, parce qu'il existe. C'est fou, une vidéo qui partait si bien, qui finit si mal, quoi. Ouais, mais on a bien rigolé. Ouais, mais tu vois, Non, mais ça n'existe pas, je ça. suis humain et du coup, les humains ont tendance à être cons. Là, je retiens que la fin, quoi. Ma sensation finale est désagréable. Je suis d'accord, Quand moi bien même, aussi. j'ai pris beaucoup de plaisir à la base, tu vois. Moi aussi. Mec, j'ai découvert le Il y a deck. 2 minutes, on était encore en train Ah, de se j'étais. marrer. Ah, oui. Ah oui, on peut faire un petit marqueur. Ah oui. Ah, mais non. Ah, mais oui. Et Mais voilà. j'adore cette sensation-là de découvrir des trucs, tu vois. Oh, de la merde, le deck. Je suis pas très bien orienté. Non, franchement, il était bien. Non, c'était cool, ouais. Je pensais que ça allait être vraiment cax. Et en fait, ce qu'on fait, c'était assez intéressant, assez fort. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Elspeth, c'est pas fou. Non, c'est trop lourd. Je préfère des guerriers du Domscar, tu vois. Ça met une bête, Ça ça met des fait marqueurs. voler quand même, Elspeth. Hein. Et ça, le Ouais, fait que ça mais. fasse voler, c'est pas mal. Je trouve que 2, c'est un bon ratio, tu vois. En fait, j'aimerais virer 2 Elspeth. Et Moi, j'enlèverais Ozolith, ça pourrit. 2 Kimchi, bah, peut-être 2 Ozolith. Ou ça, en vrai. Et je mettrais 2 guerriers et 2 Valkyries de plus. Ah, mais il est trop lourd ton deck après. C'est un deck aggro, tu peux pas avoir autant de curve 4 et de curve 5. Je fais ce que je veux. Ah oui, non, mais tu fais ce que tu veux, Allez, mais. j'arrive de loin. Voilà. Alors, tu vas faire quoi? Voilà. Et sur un extrait de 3 games, je te dis que j'ai jamais eu de soucis de mana. Voilà. Tu peux, hein. Tu peux Et voilà. sélectionner les 3 meilleurs games. Non, le deck était bien. Le deck était sympa. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPLMagicArena.fr. Et surtout, n'oubliez pas, c'est C'était de la la vraie même magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.